na raia wote wa hapa kwetu kiwanja na kando kando. Na wale ndugu zetu na huko njiani wao utafika toka Kibututu, Kinyandoi, watatoka Rubare, wanatoka Tangendo wote wako nafika hapa. Muda si mrefu wale wote wakafika na basi kipindi chetu kitakuwa kimeanza. Si mbali, tuendelee kuvumilia. Asante sana. Muda si mrefu tutaanza kabisa. Na tumesoma tu, tuwe na uvumilivu na utaratibu. Utaratibu kabisa, hapana kusukumana, hapana kuleta fujo. Tukisubiri ni nini wanakuja kutuongelesha. Hata wanasema nyumba isiyopokea wageni haina baraka. Ni kusema leo tumepata baraka sana hapa mjini kwetu sababu wandugu toka fasi. Chaguliwa katikati ya walio wengi. Nisema kiwanja imechaguliwa ndani ya eneo zote imechaguliwa leo kiwanja. Iwe siku kuu yetu, siku ya kupokea wageni wetu. Na tunatumaini maneno ambayo watu watakuja kutuongelesha ni ya muhimu sana. Wamekubali leo waache yote wafike hapa mjini kiwanja kutuongelesha. Asante sana. Ndio kabisa, tuendelee kuvumilia, tuendelee kuvumilia ndugu wetu. Ikiwa mnakuwa kule ndani ya mchi, ikiwa mnakuwa kule nyuma kabisa, wote mnatusikiliza, kokote ambao mnatutega sikio, tunaomba mchi kabisa, ikiwa umechelewa usongee karibu, usongee karibu sababu viongozi wapo njiani, hawachelewa wanafika. Oh,
peuple congolais. Bonjour peuple congolais. Nous sommes heureux de vous dire qu'aujourd'hui nous sommes à Kiwanja. À Kiwanja, c'est le rond-point Kiwanja. Aujourd'hui le 28 mars, mon colonel. C'est le 28 mars. Le 28 mars. Le 28 mars. Il y a un grand événement ici à Kiwanja. Et restez scotchés. Vous allez vivre aujourd'hui. Les peuples congolais, soyez scotchés, vous allez écouter ce que vous allez attendre aujourd'hui. C'est à chaud. Attendez, restez scotchés, suivez-nous, vous allez écouter le message aujourd'hui. Merci. L'événement du siècle. Merci. Nous sommes à Kiwanja. Allez. Na raia wote wa hapa kwetu Kiwanja na kando kando. Na wale ndugu zetu na huko njiani watafika toka Kibututu, Kinyandoi, watatoka Rubare, wanatoka Tamugenga wote wako nafika hapa. Muda si mrefu wale wote wakafika na basi kipindi chetu kitakuwa kimeanza. Si mbali, tuendelee kuvumilia. Asante sana. Muda si mrefu tutaanza kabisa. Na tumesoma tu, tuwe na uvumilivu na utaratibu. Utaratibu kabisa, hapana kusukumana, hapana kuleta fujo. Tukisubiri ni nini wanakuja kutuongelesha. Hata wanasema nyumba sio pokea wageni haina baraka. Ni kusema leo tumepata baraka sana hapa mjini kwetu sababu wandugu toka fasi. Chaguliwa katikati ya walio wengi. Nisikusema Kiwanja imechaguliwa. Ndani ya eneo zote imechaguliwa leo Kiwanja. Iwe siku kuu yetu, siku ya kupokea wageni wetu. Na tunatumaini maneno ambayo watu watakuja kutuongelesha. Ni ya muhimu sana. Wamekubali leo wache yote wafiki hapa mjini Kiwanja kutuongelesha. Asante sana. Ndiyo kabisa, tuendelee kuvumilia, tuendelee kuvumilia ndugu wetu. Ikiwa mnakuwa kule ndani ya mji, ikiwa mnakuwa kule nyuma kabisa, wote mnatusikiliza, kokote ambao mnatutega sikio, tunaomba mji kabisa, ikiwa umechelewa, usongee karibu, sababu viongozi wako njiani hawachelewa wanafika. Oh,
Et au lieu de résoudre les problèmes, le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de diviser les peuples, de rejeter d'autres peuples, de privilégier la famille, de privilégier les tribalismes, de voler et surtout de détourner, souvenez-vous des rats, d'assassiner les uns et tous les acteurs politiques, d'instrumentaliser la justice et la sorte. Il a fait le choix délibéré et pour cacher son incompétence, le régime a tendance à jeter la faute toujours. Non, c'est la faute du président Kagame. Même quand on ne mange pas la maison, on n'a pas le maïs, non, c'est parce que le président Kagame est là. C'est des histoires, c'est ce que nous voulons balayer, c'est ce que nous allons balayer dans quelques jours. Et le chemin est pris. Dans quelques jours, nous allons prendre Goma, le Grand Nord, Kivu, le Kivu en général, la Grande Orientale, le Grand Équateur, les Katanga, les Kasai, Bandundu, Congo central et la capitale. Nous venons à Kinshasa pour installer un régime fédéral. Je dois dire un système fédéral du pays, parce que les injustices que nous vivons, que toutes les richesses soient ramassées du pays pour être consommées seulement à Kinshasa, avec des détournements, c'est inacceptable. Le bien-être viendra de là. Et le bien-être, ça part de quoi? De ce qui est pour chaque Congolais, que chaque Congolais reçoive, que les Congolais mangent, que l'enfant aille à l'école, que les Congolais aient dans les soins primaires, que les Congolais se déplacent. Que les Congolais se déplacent quand ils veulent, mais qu'on commence les développements à partir, non pas de Kinshasa, mais à partir de la base. Voilà le bien-être. C'est là notre objectif que nous disons. Et je suis content, madame, que vous disiez que non, c'est un objectif noble. Malheureusement, ça dépend de la situation.